Salut à tous, c'est Aquaba sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir la syllabisation. Donc, qui se dit Bé Nadan en Bambara. Donc, toujours, pour le moment, on continue en Bambara. Donc, là, nous allons apprendre à lire petit à petit. Hein, nous allons apprendre à déchiffrer les mots, les caractères, en fait, de l'alphabet Unko. D'accord? Voilà, avant donc de vous présenter une leçon dans la langue, dans quelques langues en tout cas, que je vais présenter ici sur ma chaîne, avant de vous apprendre la langue qui vous intéresse, il faudrait quand même que vous sachiez déchiffrer les caractères. Hein? Voilà, donc on va voir ça sans plus tarder. C'est parti! Ici, donc, nous avons la lettre B. Ici, nous avons la lettre A. Donc, B plus A donne le son ba. Comme dans le mot bamuso, qui signifie mère. En bambara, hein, toujours. Ici, nous avons toujours la lettre B et la lettre E. B plus E donne le son B, comme dans le mot béret, qui signifie bâton. Toujours la lettre B. Et la lettre I, B plus I, donne le son bi, comme dans le mot bi, qui signifie aujourd'hui. B, la lettre E, B plus E donne le son B, comme dans le mot Bemamuso, qui signifie tante. Donc, c'est votre tante, hein? Pas votre tante pour aller dormir dans la montagne, votre tante, votre tata chérie. Voilà, c'est ça. Alors, ensuite, toujours la lettre B. La lettre OU, B plus OU, donne le son BOU, comme dans le mot BOURU, qui signifie pain. Toujours la lettre B, la lettre O, B plus O, donne le son beau, comme dans le mot bolo, qui signifie main. B, O, B plus O, donne le son bo, comme dans le mot boré, qui signifie sac. Ici donc, comme vous pouvez le voir, nous avons la lettre P. Donc la lettre P qui ressemble à la lettre B, seulement qu'ici, le caractère est tourné vers la gauche. La lettre B, elle est tournée vers la droite. Voilà. Donc,
Je sais que vous y arriverez hein, à faire la différence entre les deux avec le temps, j'en suis sûre. Donc, on continue. Ici, nous avons P, A, P plus A donne le son pas, comme dans le mot pan. Attention, diphtongue. Pan qui veut dire sauter. Donc, je vous explique un peu. Ici, donc, nous avons la lettre P, ici la lettre A, et ce petit point en dessous marque en fait un changement de ton. Donc, au lieu de dire pas, on dit en, à cause de ce point en dessous de la lettre A. Donc voilà, ce point-là, lorsque vous allez trouver ce point-là en dessous d'une voyelle, cela signifie que la voyelle prend un N. D'accord? Donc ici, en l'occurrence, on a un A. Le A devient donc en. Donc, raison pour laquelle on dit pan. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce point qui marque le changement de ton. Toujours avec la lettre P et la lettre E. P plus E donne le son P, comme dans le mot perraki, qui signifie espionner. P, I, P plus I donne le son pi, comme dans le mot bikini, qui signifie 25 centimes. P est P plus E donne le son paix, comme dans le mot pérenne, qui signifie crier ou hurler. P ou P plus ou donne le son pou, comme dans le mot pourouti, pourouti, qui signifie pincé. P, O, P plus O donne le son po, comme dans le mot policie, qui signifie police. P toujours. O. P plus O donne le son po, comme dans le mot pomme, qui signifie pomme. C'est la fin de la première partie de la syllabisation. J'espère que ce petit moment vous a plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très très bien. Vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone le clavier Unico sur Google Play ou App Store pour vous familiariser donc avec les différents caractères de l'alphabet Unico. Si vous êtes issu de Kama de l'Ouest, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest, et que vous maîtrisez votre langue maternelle et souhaitez l'avoir proposée en apprentissage, contactez-moi sur malanguedéracinée@gmail.com. Si vous souhaitez apprendre une langue ou vous réconcilier avec votre langue d'origine, vous êtes les bienvenus. Pensez à liker la vidéo, à cliquer pour vous abonner et à actionner la cloche de notification. Merci, que la paix soit avec vous. Portez-vous bien et à bientôt.